Yo, salut les amis, ici Dark Killer pour un nouvel épisode, un tout nouvel opus, une toute nouvelle série qui démarre sur du Hitman Absolution. Oui, Hitman, un jeu que j'adore, que je disais qui ressemble un peu à Dishonored. Écoute-moi bien. Et ce jeu, je l'ai acheté à 50€, un truc dans le genre sur Amazon. Et le jeu est vachement sympa, ça reprend la suite un peu. Moi j'ai toute la collection d'Hitman en super collection collector. Les films, les jeux, et celui-là franchement je l'ai acheté en coffret collector et il vaut le coup. Hein. Ce jeu vaut le coup d'œil. J'irais presque, on dirait un jeu au film américain, on dirait un film américain pratiquement. Mais l'image est super belle. Bon, il y a quelques bugs graphiques que j'ai repérés dans le jeu. Mais moi, franchement, le jeu, bah putain. Hein. C'est le jeu de la mort qui tue. Hein. Alors, si certaines personnes ne connaissent pas l'histoire de Hitman, moi, je me rappelle qu'il s'appelait. Là, il s'appelle l'agent 47 dans cet opus. Mais moi, dans les anciens Hitman. Je m'appelais pas l'agent 47, je m'appelais agent, il avait un autre surnom, je m'aime plus. Je crois que tu pouvais même changer ton surnom. Je crois que j'avais changé mon surnom. Tu comprendras tout ça. Et en gros, le mec d'Hitman, c'est un gars qui a été entraîné pendant son enfance par un professeur à la con. On lui a injecté des produits, tout ça, un peu style à la Spartane, pour l'entraîner à devenir un tueur professionnel. Un peu comme dans Halo, on entraîne des gosses, on viole les gosses à un plus jeune âge pour les entraîner à devenir des tueurs professionnels. Alors, le jeu, je le découvre pas vraiment avec vous, vu que j'ai déjà commencé le jeu. Hein. Le jeu se termine en 20 parties vraiment écosistantes. Il y a 20 mondes, on va dire. Et quand t'as terminé les 20 mondes, et bah t'as tout terminé dans le jeu. C'est vraiment, t'as tout terminé. On pourra appeler ça 20 mondes. Alors là, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'agent 47, il a une mission. Il doit tuer une sorte d'ami d'enfance, une sorte de gonzesse qui l'avait sauvé. Je pense que je ferai que des épisodes de 15 minutes, mais quand la partie est terminée, je bloque le. Je retire la minute. Même si c'est que la vidéo dure 4 minutes, ça va être style première partie, deuxième partie, troisième partie. Et dans chaque partie, je fais des épisodes de 15 minutes. Et un peu plus court pour le dernier si ça fait pas un total de 15 minutes. Donc là, prologue, personnel, machin. Les éléments de jeu clé seront mis en évidence dans cette mission. Essayez de tuer discrètement et de rester invisible avant tout. Faut que je me remémore les boutons. La barre bleue en bas à gauche représente votre santé. Observez le radar juste à côté pour localiser objectif, ennemi et point de sortie. Alors là, c'est le premier épisode d'Hitman. Il y aura un premier épisode de Resident Evil, vu que là, pendant que je le tourne, Hitman, Franky a internet en ce moment. Donc il a l'abonnement Xbox Live et normalement on va avoir tous les deux. L'ennemi a plus de mal à vous repérer quand vous êtes à couvert. Des détecteurs de mouvement et puis aussi des nouvelles tourelles de tir automatique. Si certains aiment bien le mode bourrin, je vais en faire. Bon, bah là, j'essaye de faire un peu. Le corps est caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. J'ai essayé de la jouer un peu discret pour la première mission. Mais moi je l'ai terminé en discret le jeu et je peux vous dire qu'en mode bourrin c'est chaud. Hein. Moi je connais quelqu'un qui a voulu se la jouer en mode bourrin pendant tout le long du jeu. Je peux vous dire que le mec. Je sais que c'est le choix de la cliente, mais je suis pas d'accord pour autant. Utilisez votre corde à piano pour éliminer les gens en silence.
Meurtre fort. La corde à piano vous permet de traîner les corps immédiatement. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Je vais tous les buter un par un, ça va être tranquille. Allez, on m'en fout du cadavre. Je peux. Vous avez activé un point de contrôle. Vous reprendrez d'ici si vous mourrez ou choisissez de recommencer. L'essence surhumain de l'agent 47 lui permet de percevoir précisément son environnement. Et fait comme si de rien n'était. Quelqu'un va vous repérer. On vous arrête. Ne fuyez pas. Feignez de vous rendre ou marchez calmement vers une zone isolée. Puis, neutralisez l'ennemi. Je suis qui ? Allez. Vous êtes maintenant en train de rapprocher. Achevez votre mission. Caca. Je vais mourir. Ok. Je peux faire. Si je meurs direct là. Ah ouais, il veut le faire à la. Je vais la jouer à la mode bourrin, vous allez voir. L'essence surhumain de l'agent 47. Quelqu'un va vous déplacer. Vous déplacerez plus vite en courant. J'ai pas envie de courir, salope. Mais là, j'aime pas ça là, c'est quoi ces conneries? Je fais que mourir! Bande d'enfoirés! Quelqu'un va vous repérer. L'essence surhumain de l'agent 47 lui permet de percevoir précisément son environnement. C'est comme s'il aurait été. Ok. Attends, c'est savoir qu'il a. Diversion, tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. J'aimerais bien le cacher le corps, s'il vous plaît, les mecs. Le corps est caché. Les dodos. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus ou vous servir de cachette. Écoutez les gens autour de vous. Ils peuvent révéler des informations utiles ou. Mettez-vous à couvert pour vous protéger des balles. Et essayez de vous cacher. Je peux pas regagner de la vie, d'accord. Je comprenais pas pourquoi je mourais à chaque fois. Putain, je commence à en avoir ras le cul. D'habitude, je gère à la mission là, mais vas-y, les gardes. The fuck it. Vous baisez. L'essence surhumain de l'agent 47 lui permet de percevoir précisément son environnement. Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. J'aimerais bien traîner le corps, hein, si tu veux que je le cache. Hein. Je peux même pas me prendre des habits, là, je peux rien faire, j'avais oublié ça.
Oh là là! Ah ouais, d'accord, on m'a déjà... Caché. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus, ou vous servir de cachet. Un cop, on vous arrête. Ne fuyez pas. Faites de vous rendre ou marchez calmement vers une zone isolée. Puis, neutralisez l'ennemi. Mettez-vous à couvert pour vous protéger des balles. Ou laissez-vous de vous cacher. Que l'ennemi est en alerte, fais quitte l'ennemi. Non mais s'ils viennent pas, moi... Je tiens à dire, je suis bon au jeu de précision. J'ai bien visé dans la tête des gens. Alors lui, je lui fusé 3 balles dans la tête, mais bon, c'est pas grave. C'est musclore le mec. Ok, je vois pas où ils sont. Oh, mais si les sales PD ils se montent pas, ils attendent que je vienne, je vais mourir moi. Enfoiré, va, sadique. Vous avez éliminé tous les témoins. Le reste de vos ennemis ne se doute de rien. N'oubliez pas de cacher les corps pour plus de discrétion. Il n'y a plus d'ennemis. Pourquoi tu veux cacher les corps? Le mec, il a massacré tout le monde. Mort. Meurtre propre, vous pouvez jeter le corps par-dessus la rambarde. Vous êtes déguisé en garde. Cet uniforme vous permet d'accéder à toutes les zones extérieures. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Alors, gardez vos distances. Ah merde, c'était pas ça que je voulais faire. Les tirs actuels attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos silver bowlers avec silencieux. Mais moi, je vais utiliser le couteau, je vais lancer sur les gens. Ouah, trop bien. Dans le couteau. Donc le couteau. Mais il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. Oui, chef, bien sûr. Entrer dans la serre vous mettra à proximité du garde. Il aura des soupçons, mais vous pouvez utiliser votre instinct pour le tromper. Changer de déguisement pour vous faire oublier.
corps a été découvert. Les gardes seront plus vigilants. M'en fous. J'ai traversé l'enceinte. La maison est juste en face. La cible est Je vais couper, donc c'était le premier épisode de ta gueule, salope. Mon ancien agent de liaison était à la Burnwood. Elle peut pas la fermer. Donc je vais couper ce premier épisode de Hitman, donc vous me direz si vous appréciez. Je tiens à dire qu'on aimerait vraiment des commentaires, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous regardent, on a des vues. Parce que je sais pas comment ça marche les vues, parce que nous on se regarde pas nous-mêmes, on met les vidéos, voilà. Donc on sait qu'il y a quand même des gens qui nous regardent vu qu'on a des vues, mais il y a personne qui met des commentaires. Alors au cas où, mettez des commentaires pour savoir si vous appréciez ou pas. Donc je termine ce premier épisode d'Hitman, donc salut à tous les amis, j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous.